Et salut tout le monde, ici Réa de retour sur Psychonautes, et comme vous le voyez, grâce à un petit guide qui détaille la position de toutes les bribes du jeu en fonction de leur emplacement. Dans cette grille, j'ai pu enfin trouver la dernière bribe dans le niveau d'Edgar qui manquait, elle est là-haut. Comme vous le voyez, il y a même une upgrade avec. Donc, normalement, il me suffit de faire ça, et là elle est là. Et comme vous le voyez, on a... Ouais, on... Ça va être un petit peu dur d'y accéder, mais au moins maintenant on sait où elle est. Ça n'a pas été simple. Je peux remonter ici. Attendez, j'avais accédé à la base par cette guitare. Je ne sais pas exactement comment je vais y arriver, mais on va y arriver. Vraiment, depuis le balcon, c'est plus simple, hein, je pense. Il faut juste se positionner. Et potentiellement... Ah. J'essaie de me positionner sur le rebord, en fait, pour gagner quelques centimètres de hauteur. Ah, si on doit faire plusieurs essais, je sens que cette échelle va me... compliquer la tâche. Peut-être qu'avec de l'élan, en fait. Avec de l'élan, ça me semble sûrement la bonne idée. Ouais. Là, j'ai été interrompu par le rebord du balcon, mais avec de l'élan, je pense que ça passe. Raison de plus pour faire ça depuis ce balcon, puisque là, on peut prendre de l'élan directement dans la bonne direction. Augmentation de munitions qui ne me sert pas à grand chose d'ailleurs. Je me demande, j'avais eu un haut fait pour la vie éternelle, je crois, c'est-à-dire toutes les upgrades de vie. J'avais peut-être pas eu celle de munitions. Bon, maintenant que j'ai munitions infinies, ce n'est plus particulièrement utile. Également, j'ai lu une certaine walkthrough qui me disait qu'avant d'entrer dans le cirque, il fallait être niveau 98 pour tout avoir. Seulement, bah, après vérification, j'ai vraiment tout. Enfin, j'ai pas vu d'endroit avec quelque chose que je n'aurais pas fait qui m'aurait donné des niveaux psy supplémentaires. Du coup, à partir de là, bah, je ne peux que continuer ainsi. Et espérer que ça suffise quand même. Quoi. Oh, ce truc pue un max! Est-ce que je... Je suis prêt. Hop. Nous pouvons donc maintenant sortir du niveau d'Edgar et enfin nous diriger vers le cirque. Le cirque sanglant. Et ben voilà, maintenant on a tous les niveaux. Bien sûr, le cirque sanglant complété à 100%. Comme je l'ai dit, enfin, idéalement j'aimerais le niveau... J'aimerais le niveau 101, c'est-à-dire le niveau maximum. Pour le haut fait, en fait, les maths, c'est difficile. Mais le niveau 100 minimum... Ne m'interromps pas, toi. Le niveau 100 minimum serait quand même assez important, puisqu'il me permettrait d'avoir la cutscene de fin supplémentaire. Et on aimerait avoir la cutscene de fin supplémentaire. Ok, il n'y avait rien à gérer. Rasputin. Bon, eh bien, le moment est venu. Il faut m'aider à sauver le lapin. S'il se tenait tranquille, je pourrais l'attraper et le cacher à mon père. Il tient une boucherie. Il veut en faire de la viande. C'est vrai que le père de Maury était boucher. On dirait que tes souvenirs d'enfance au cirque se sont mélangés à ses souvenirs de la boucherie de son père. Mes souvenirs étaient déjà moches. Mais là, ça devient lourd. Oh oh. Il faut éviter les ennuis à ce gamin. Compte tenu du mélange de vos cerveaux, ce qui lui arrivera, t'arrivera aussi. Bien ça, c'est une mission d'escorte, ça va m'arranger pour tout collecter en même temps. On va se dépêcher, hein. Toutes les bribes, aussi vite que possible. S'il te plaît, monsieur lapin.
en train de rusher toutes les brumes au niveau du sol déjà. J'espère que lui aussi régénère des PV. Sinon, on va avoir des problèmes. Du coup, je pourrais prendre la télékinésie et faire ne serait-ce que le tenir pour que lui puisse attraper peut-être. Oh, je te tiens, monsieur lapin. Cool. Par contre, je vois un autre spawn de monstre. Il y a autre spawn de monstre, dit si je monte pas assez vite, ça se trouve. Ouais, c'est ce que je craignais. Hey, ça fait mal. Quand vous voulez que j'arrive à temps. Le perdre là-dessus. Si moi je comprenais comment tout escalader. Je sais pas si ça m'a claqué une vie. Je suis à 11 vies, faut que je mémorise ça. Faut savoir si ça me fait recommencer au départ et me claquer une vie ou pas. Bon, du coup on vient à mémoriser. D'abord grimper en collectant. Scout et ensuite. Rasputine. Je sens que ce gamin va être insupportable, simplement parce que les missions d'escorte, c'est pas facile. D'avoir une bonne prise. Je peux peut-être faire quelque chose à ce truc-là, mais... Oh, j'ai rebondi dessus. Ok. On règle l'histoire de bagage émotionnel. Ok, je pense qu'il était là. En tout cas, j'espère. La suite est par là. Ok. Mon visage. Oui, il est en train de prendre cher. Pas grave si ça reset. Je vais pas te faire. Hop. Ok, on sait où aller maintenant. On est reparti. Ça classique, sans bulle de lévitation, ça a plus de chance d'aller mieux. Ah c'est bien, sa santé revient à fond. La poubelle, ça ne ressemble à rien. Oh, je te tiens, monsieur lapin. Alors, par contre, du coup, la suite du parcours, faut essentiellement que j'arrive à temps. Oh, cette musique. Je lance beaucoup dans ce sens-là aussi. Ah, il y a une bribe là. Ah, non, c'est pour au-dessus. C'est pour le passage au-dessus. Ok, on va voir ça tout à l'heure.
il y a également une brique que j'ai ratée. Faut que je la reprenne. Je suis en train de découvrir le parcours pendant que lui est en train de se faire martyriser. Je viens de comprendre ce qu'il faut faire et ça ne me plaît pas du tout. Ouais, bon. C'est autre chose, mais si ce qu'il faut que je fasse c'est vraiment genre les planter les couteaux, c'est... L'idée, je pense qu'il faudrait que je plante les épées pour que je m'y accroche pour monter. Mon visage. Et je sens que ce niveau va être difficile à supporter. Juste à cause des cris du coach Oleander. Et ça, c'est son véritable traumatisme en plus. Le lapin et la boucherie. Contrairement à la guerre, gars, on n'avait rien à faire. Ouais, c'est ça, il est juste au-dessus de la roue. Faut que je me serve des épées. Petite vérification. Une toile mentale, un coffre-fort et 94 bribes. Ouais. Ça fait partie de la même zone que la zone extérieure, donc au moins il n'y a pas de risque de méprise. Il respawn l'épée. Il la lance. J'ai pris celle-là. Cool. J'ai réussi à monter avant qu'il ne se fasse défoncer. Il y a deux spawners en fait. On prend vraiment toutes les bribes avant de déclencher la suite. Et je vais devoir déclencher pour qu'il regagne ses PV en fait. Il y a une autre section, comme ça il y en a même peut-être deux. Oh, je te tiens, monsieur lapin. Ok. Un seul monstre, il va peut-être tenir plus longtemps là. J'ai l'impression en tout cas. Oui, est-ce que l'épée est toujours là? Trop tôt. C'est super dur. Les bribes en premier, là, je sens que ça va reset. Pour le coup. Ah. Le filet de sécurité. Ah, le filet, c'est mieux en fait. Et sur celle-ci, juste au cas où, hein. Okay.
Et là, c'est le chaos. Bon. Et je suis toujours en 11 vies, cela dit, donc bon, je peux tenter ça à l'infini, j'ai l'impression. Au moins, ça m'entraîne à faire la montée. C'est juste que voilà, la collection complète. Ou alors, je devrais faire toute l'ascension une fois en le laissant en bas. Est-ce que je peux faire ça? Honnêtement, on va tenter. On va voir si c'est possible. Ah, les missions d'escorte. Une des pires inventions des jeux vidéo. Je ne me suis pas assez balancé. La frustration est présente. Je me demande s'il est possible de tomber dans le grinder. Sans doute pas une bonne idée. On va voir si quand il se fait... quand il se fait finir en bas, je perds une vie. Pourquoi j'aurais pu passer cet obstacle sous la main? Faut que je passe sans la bulle en fait. La bulle me fait m'empêche de m'agripper. Peut-être plus le réussir dès le premier coup, ça aurait été bien. Attention ! Non. Il crash, là il prend, là il vise. Et là. Ok. Allez, me reset pas en me mettant en bas. Et si, ok. Donc, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, je vais devoir faire la montée en même temps que lui et collecter les bribes en même temps. Oh, je te tiens, monsieur Lapin. Hop, il tient, monsieur Lapin. Tout est bon. Je sens que ça va être une aventure. Mon visage. Premier passage, ça va honnêtement. Rasputin. Allez, passe la nuit, fais ton travail. Allez. Il lance vraiment au dernier moment. Attention! Cool. Un filet. Le filet qui me renvoie, il me renvoie là. Non, voilà, mais il me reset mes épées, donc c'est pas cool. Mon visage.
Et tout juste... Ça va être tout juste, heureusement qu'il organise sa santé entre chaque étape. Oh, je te tiens, monsieur lapin! Mon visage! C'est que je vois de la bribe. Fait n'importe quoi. Un peu haut, non? Un peu haut. Fantôme en plein milieu là. C'est dans le chez où. Hey, ça fait mal. Mon visage. Ouais, en confiance, on y croit. Hey. Ah non, non, et là c'est mort. Si je dois faire deux roues d'affilée avec si peu de temps. Hey, ça fait mal. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'en profiter pour choper un max de bribes pour que le chemin suivant soit moins. Ah, j'étais sur le point d'arriver sur une nouvelle plateforme, parce que j'aurais pu prendre des bribes en plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode là, et la suite dans le prochain épisode, parce que je sens que toute cette histoire va prendre un certain temps. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié celui-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour les quelques dernières vidéos de Psychonautes selon le temps que je vais mettre à battre ce niveau. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.